Bonjour, je m'appelle Hugo Adancoté. Je suis papa de trois garçons et puis je suis initiateur du projet de Ruelle Verte. Et puis j'habite juste de ce côté-là. On a déménagé ici il y a 4 ans à peu près. Fait que je regardais un peu l'environnement. C'est ça, je voyais un garage d'auto, je voyais que c'était chaud, je voyais que mes enfants jouaient dans une ruelle pas belle, puis que les autos tournaient vite, puis on avait un peu de la crainte pour les enfants. Parce que moi, j'avais un goût aussi de verdissement, j'aimais ça, ces genres de projets-là. Donc, j'ai comme un peu lancé ça l'idée, j'ai vu ça sur Internet, je me suis comme lancé en me disant, on perd rien, ça va être que plus beau. Mais là, la concrétisation, enfin, aujourd'hui, de tout ça. Donc... Je promets que la journée qui s'en vient, flambant neuve. Moi, c'est juste cette section-là, au départ, hein, qui était dans le projet. Ça ici, c'est venu par la suite. On a une brigade verte à l'office municipal, c'est des jeunes qui viennent faire des nettoyages sur le terrain. Puis là, ils nous ont dit que oh, c'était vraiment sale ici. Puis en réponse à ce problème-là, une des solutions, c'était de faire un aménagement paysager. Rapidement, les résidents ont trouvé que c'était tellement beau qu'ils souhaitaient qu'on poursuive le projet avec la ruelle. Donc, dès ce jour, l'arrondissement et l'office, on a travaillé ensemble étroitement. On a fait toutes les consultations auprès des résidents ensemble, autant des HLM que des voisins. Puis bien, tous les plans qu'on voit, tout le projet qu'on voit a été dessiné puis conçu avec les résidents. C'est une vraie participation citoyenne sur une période de 2 ans. Fait que ça devient un projet spécial. C'est pour ça que c'était un peu plus long, parce que c'était parti d'une petite ruelle à un projet pas mal plus grand. Bon, on a des discussions houleuses entre citoyens, mais aussi je me suis dit, c'est donc bien facile de faire des changements au niveau municipal. Moi, je me suis rendu compte de tout ça, que ça prenait pas grand-chose. Puis je me dis, aïe, aïe, c'est intéressant de voir que tu as comme un peu un pouvoir sur ton aménagement, sur ton coin, sur ton quartier. Ça, c'est quelque chose qui va me rester, là. Je me dis, tu sais, genre, l'implication comme ça, qui est quand même simple, mais qui a des résultats rapides et vraiment le fun. Nos yeux qui s'habituent à la